culture intérieure, grillagée, l'accès difficile, le chenil du bataillon où s'agitent quelquefois les 8 chiens de guerre ou 100 chiens de guerre, bien sûr avec leur maître, les patrouilles diurnes et nocturnes autour de la Skanderia. L'UCS, ce petit monde toujours en activité, cette ruche bourdonnante de mille bruits, est le cœur d'un bataillon dont la mission dépasse largement les limites de cette Skanderia, puisque 3 autres compagnies sont installées elles aussi dans cet immense navire, à partir duquel aura lieu cette mission. La première compagnie du 8e RPIMA, commandée par le capitaine Sans, occupe 2 niveaux au fond du complexe. Elle milite aussi dans un petit village de toile. L'unité est généralement au calme dans cet endroit isolé, puisqu'on y rencontre peu de monde. La section commandement et la section de repos, qui redescendue des postes pour 4 jours, profitent d'un répit relatif, et aussi de garde, d'entretien de matériel et de sommeil à récupérer. Mais la première compagnie, c'est surtout 4 postes d'interposition au sud de la ville, entre les lignes serbes et bosniaques. De haut en bas, Deblo-Bordo, cimetière juif sud, cimetière juif nord, pont de Verbania. Deblo-Bordo, le poste le plus élevé, est une ancienne station radar de l'ex-armée yougoslave. Il domine la ville et offre un panorama à couper le souffle. On pourrait y parler de tourisme si des tranchées, des abris, des postes de mitrailleuses bosniaques et serbes ne se trouvaient pas à quelques jets de pierre du drapeau bleu des Nations Unies, observés 24 heures sur 24 par les casques bleus, les yeux rivés aux oculaires de leurs jumelles. En verticale presque de Deblo-Bordo, un autre poste de la première, le cimetière juif sud, construit sur la petite route d'un quartier escarpé, accroché au flanc de la montagne. La guerre s'est arrêtée là, dans un vieux cimetière juif endormi depuis plus d'un siècle. Les casques bleus y sont, entre les pierres tombales et les maisons détruites, parfois réhabitées par une population plus rassurée ou par les combattants d'un bord face aux tranchées des combattants de l'autre bord. Roméo ou Vita Alpha ? Plus bas encore, à l'autre bout du champ de mort, un autre poste ONU, le cimetière nord. Il est haussé sur une route, plus grande, le transit. C'est une bretelle de contournement qui surplombe la ville sur plusieurs kilomètres. Le poste ferme le passage face aux Serbes, les Bosniaques sont à peine un peu plus haut. Devant le mur de sacs de sable, dans l'axe de la route, un camion de livraison, démantibulé, stoppé tragiquement par les combats, rouille sous le vent, dérisoire témoin d'un jour où tout s'est arrêté. Par la meurtrière de droite, on voit ce camion détruit. C'est là que le bataillon a perdu le parachutiste Jean-Marc Carbonel, un petit matin qui aurait pu être comme les autres, mais qui ne le fut pas, au milieu des tirs, au milieu de l'absurde.
C'est derrière le bâtiment. Derrière, on voit pas. Là, ça serait des cerfs. Pas comprendre. Bien sûr qu'il y est. Il doit foutre une plaque ou un chiffon noir dessus. C'est juste en bas là. Ah, c'est les fenêtres en bas. Hein. Ah, c'est peut-être derrière qui tire vers en bas aussi. Des bananes, ouais. Comme hier, comme là. Là, c'est la Miliaka, une rivière qui longe la ville d'est en ouest, en s'insinuant dolente entre les quartiers, glissant sur son lit de cailloux sous les ponts de Sarajevo. Pont de fer, pont de pierre, mais aussi pont de guerre comme celui de Verbania, dernier poste de la première compagnie, dans l'alignement des trois autres. Un poste au bord de l'eau, face aux immeubles à demi calcinés, aux rues encombrées de débris et d'herbes folles, immeubles bosniaques d'un côté, serbes de l'autre, ou les deux à la fois, séparés par un appartement ou peut-être une cloison. Ils sont un peu moins de 20 dans ce poste ONU, à observer jour et nuit les violations de cessez-le-feu quasiment quotidiennes. Ah ouais, j'ai demandé au lieutenant Torassi de me rendre ma collection de loups. Alors, ah, c'est... de merde, ça y est. Deuxième coup qui part de 13. Ça, c'est des grenades à main, ça. Voilà. Ouais, de centrale. Ouais. Ah ouais, oui, vu, ouais. Et bien. Ah ouais, ah ouais, okay. Vu, vu. Ah, okay. Non, non, pas là. Verbania, c'est aussi une histoire tragique quand le ONU n'y était pas. Au début de la guerre, lorsque le pont était l'enjeu de combats acharnés, une nuit, ils ont voulu quitter Sarajevo. Lui était serbe, elle bosniaque. Il voulait partir loin. Se marier, fuir la folie des hommes. Leur passage était négocié, ils se sont avancés sur le pont. Une seule rafale a suffi. Ils sont devenus les amoureux de Verbania, pour la légende. Aujourd'hui, le pont est à l'ONU, contrôlé par la première compagnie du 8. Et seuls les véhicules blancs y passent. Dessous, l'eau de la Miliaka est toujours claire. La troisième compagnie du Batinf 4, CA du 8e RPIMA, est commandé par le capitaine Luciani et se trouve sur le même parking que l'UCS, au premier sous-sol de la Scanderia, et également dans un village de toile. Comme les autres unités, elle est autonome pour la cuisine, le lavage, et comme les autres unités de combat, elle occupe des postes sur la ligne de confrontation. Le poste de Betania, au nord du centre-ville, sur une petite route, presque un chemin, un poste entre maison et cimetière qui barre le passage. Le quartier est en ruine. Les combats ont été très durs. Aujourd'hui, les casques bleus sont dans deux maisons face à un cimetière. Les Serbes sont devant, à moins de 50 mètres, les Bosniaques dans les ruines. Dans le cimetière, où les herbes folles ont mangé les pierres tombales, un poste d'observation. Le rythme de présence est le même pour tout le monde, entre 8 et 10 jours sur le terrain et 4 jours à la Scanderia. Il fait chaud la journée, le casque est lourd, le gilet pare-balles étouffant. Ici aussi, on compte les violations de cessez-le-feu. Le quartier est désert, les maisons sont inhabitables, et dans celle qui sert de poste aux Français, à demi ouverte par un obus, quelques meubles, mais surtout au grenier, les débris d'une famille, des jouets cassés, et l'album photo des jours heureux éparpillé dans les gravats.
Plus à l'ouest, sur un autre mouvement de terrain qui relie cette ligne de front, se moquant des reliefs, coupant les routes, les hameaux, les rues, les maisons, un autre poste tout aussi insolite, Autogne. Ce devait être un hôpital. La guerre interrompit sa construction et amorça sa destruction. Ils sont 12 casques bleus au foulard vert dans ce béton tourmenté, avec un poste d'observation au sommet du bâtiment, dominant un panorama où les bois abritent des tranchées et les maisons brisées des emplacements de combat. Le poste d'Autogne a une mission particulière, car son VAP, canon de 20, ne reste pas sur place toute la journée, comme en d'autres endroits. Il quitte l'hôpital au petit matin pour aller escorter et protéger une ligne de bus qui fait la navette entre Sarajevo et Novembereko, un point de passage tenu aussi par le bataillon 4. Le bus passait avant côté serbe pour se rendre à un bourg éloigné d'une dizaine de kilomètres, Visoko. Mais depuis plus d'un mois, il ne peut plus passer. Le VAB le suit ou le précède, se place en protection aux endroits les plus critiques, lorsque la ligne de confrontation est particulièrement proche. La navette se fait deux fois dans la matinée. Avant la guerre, c'était un trolley qui circulait là. Il n'en reste aujourd'hui que des fils sectionnés par les balles. Troisième compagnie, c'est aussi Zouch, une colline dominant Vogoshka, au nord-ouest de Sarajevo. Une colline boisée, dont il ne reste que des moignons d'arbres, donnant une impression étrange à l'endroit. Le poste a été très vite mis en place il y a quelques mois, car profitant d'un accord entre les deux parties, l'ancien bataillon 4 a mis une nuit pour s'y installer. Aujourd'hui, renforcé, réaménagé, il offre un site assez spacieux en regard des autres postes. 16 casques bleus commandés par un chef de section l'occupent. Là aussi, des points d'observation permettent des vues sur les tranchées serbes et bosniaques. Les
combats ont été rudes pour conquérir cette crête avant que n'implote le drapeau des Nations Unies, car elle domine un axe routier important et une usine d'automobiles reconvertie dans l'industrie de guerre. Vogoshka est en zone serbe et leur route logistique qui permet l'acheminement du matériel de guerre fabriqué commence justement là. Que 3 ici, vous, Charlie, parlez. Ah, affirmatif, il a une liaison avec l'escadron. Une liaison avec 32, mais sur 57. Ah, affirmatif. La compagnie Génie, 3e compagnie du 17e RGP, commandée par le capitaine Blondet, est l'unité spécialisée par excellence du bataillon 4. Elle tient ses quartiers à la Scanderia et se situe presque au même niveau que l'état-major, légèrement décentré. Elle vit aussi dans un village de toile et son rayon d'action englobe tout le secteur de Sarajevo. Félicité pour le travail effectué pendant les 15 jours aux ordres du capitaine Messelier. Le même, je vous pose une question, n'oubliez pas de vous présenter. Un succès très fort aussi ce matin pour le nettoyage un petit peu des abords de vos tentes. La compagnie Génie, ce sont de multiples actions quotidiennes dans les domaines aussi variés qu'utiles. À caractère opérationnel, réfection de pistes, terrassement, dépollution, reconstruction de postes,